Comment on fait, parce que vous êtes journaliste d'info, hein, ouais. De base, ouais. Comment on fait par exemple de passer à Faut pas rêver, qui est une émission totalement différente, à quelque chose de beaucoup plus, plus terne? C'est pas le même métier, c'est pas les mêmes. Si, c'est le même métier. Moi, je suis passée à Faut pas rêver parce que j'avais ma dose du news 24 heures sur 24 des chaînes info. J'étais un petit peu saturée. Ouais. Et Faut pas rêver, c'était une façon de raconter le monde différemment. Je me suis, quand le poste a été vacant et qu'on a cherché un remplaçant pour Laurent Bignolas, je me suis pas posé la question en ces termes, de savoir est-ce que j'allais quitter le journalisme noble pour le journalisme de rencontre. Ouais. J'avais surtout envie d'apprendre à. Voilà, de faire du magazine, c'est vraiment du magazine, faut pas rêver. D'accord. C'est pas non plus, c'est pas la grosse rigolade, hein. C'est vraiment c'est de la découverte, c'est des reportages, beaucoup de grands reportages, une rédaction. Donc voilà, puis ça m'a décontracté aussi, parce qu'on est avec des réalisateurs, on se balade, on est en extérieur, il faut être le plus naturel possible. C'est de votre contact, de votre bon contact et de votre feeling avec les gens que vous rencontrez, dont dépend la bonne réussite de l'émission. Donc c'était une bouffée d'air extraordinaire. Mais qu'est-ce qui diffère ? C'est plus sur le terrain, en fait. Entre Faut pas rêver et le journal, les émissions où vous êtes dehors et vous rencontrez les gens, entre guillemets, selon votre personnalité, ça peut être plus facile. Ouais. Moi, c'était plus dans ma nature, donc c'est plus dans la vérité de ce que vous êtes. Ouais. Après, le journal, c'est un exercice beaucoup plus formaté où même on se formate soi-même. Mmh. Et ce qui est difficile dans le journal, c'est de réinjecter de la chaleur, de la convivialité, de la spontanéité, de la vérité dans un truc qui est très « j'ai un tailleur, je suis sérieuse et je suis sur un plateau ». Voilà, c'est ça la différence. D'accord. Mais et le journal, il faut essayer d'avoir les deux parce qu'on nous attend sur la rigueur, sur l'info, pas juste pour rigoler. Ouais, et en même temps, les gens, ils apprécient quand vous êtes, je pense, naturel, chaleureux dans les moments où on peut l'être.